Place maintenant à notre rendez-vous People Imo. Nous démarrons avec notre petit tour de l'actualité des People. On commence avec Christian Audigier. Le styliste et ami des stars n'achètera finalement pas la dernière maison de Michael Jackson à Los Angeles. Pourquoi? Il la trouverait trop flippante. Trouillard l'ami des stars? Toujours aux États-Unis, mais à New York cette fois, Madonna est à la recherche d'un petit pied-à-terre pour son compagnon, le mannequin brésilien Jesus Luz. Le budget de la Madone, 1,8 million d'euros. Plus près de chez nous, l'animateur de la Starac, Nico Saliagas, s'est exilé dans le 16e arrondissement. Depuis la rentrée, la semaine, il délaisse sa belle maison en banlieue pour un tout petit studio d'une trentaine de mètres carrés à côté d'Énergie, où il anime la matinale de 6h à 9h. Et maintenant, place à notre rencontre people avec l'humoriste Yves Lecoq, dont l'ouvrage « Fou de château » vient de paraître aux éditions du Chêne. Le guignol dévoile à Ariane Artignan la plus grande passion de sa vie, les châteaux. Le goût du beau 18e siècle, on va dire comme ça, ça m'est venu du premier appartement que j'ai occupé quand j'étais petit dans le 7e arrondissement, qui était situé sous les combles d'un hôtel particulier appartenant à un marquis. Donc on était modeste locataire de cet endroit, mais moi j'avais sous les yeux les fastes du 17e siècle. Je n'ai pas débuté par un château, évidemment, j'ai débuté par une maison dans un petit jardin touffu près de Paris, et après ça, ça a été un petit manoir en Picardie que j'ai acheté parce que je ne trouvais pas la ferme de mes rêves. Ferme du bonheur! Donc j'ai trouvé le château, qui était un petit manoir accolé à une ferme aussi, et c'est pour le prix d'une ferme. Alors j'en suis à 5, au 5e, là, puisque j'en ai restauré, on va dire 4. Et vendu deux depuis, puisque ça fait depuis 75, je suis dans ce trip-là. Alors en utilisant bien sûr l'avantage des monuments historiques pour les travaux. Alors Villiers, c'est sûr que c'est le château de ma vie, puisque c'est là où je peux habiter et puis que je suis très près de mon travail, à 18 km de Paris, dans un environnement très champêtre. Pas un trop grand château, mais je l'ai trouvé parce que, à force d'en visiter, j'étais sur les fichiers des différentes agences. Et quand la crise immobilière est arrivée, ils ne savaient pas comment vendre leur château. Donc ils m'ont appelé, allô, j'en ai un qui voudrait vous plaire parce que c'est près de Paris, etc. Alors je suis allé visiter, alors je ne cherchais plus rien. Mais malheureusement, j'ai été pris par l'envoûtement du lieu. Ben, la vie de château, je connais pas. Je connais la vie de travaux. Moi, j'aime la vie de campagne. J'aime vivre à la campagne dans un bel environnement. Donc, ce qui me plaît dans la vie de château, c'est d'avoir vu sur un beau parc, déjà. Parce que aussi, petit à petit, quand on restaure ces maisons, on restaure avec des boiseries anciennes, des céramons. Moi, ce qui me plaît, c'est d'être entouré de meubles anciens. Et voilà, c'est ça. C'est mon goût, puisque je suis antiquaire aussi de famille et d'origine. J'ai été pendant 5 ans. Ah ben ce livre, on me l'a proposé, j'avais pas pensé, mais donc je présentais une émission et puis on m'a dit voilà, des gens qui viennent d'ailleurs présenter leur livre, on m'a dit si vous voulez en faire un, moi ça intéresserait le groupe Hachette de faire un livre sur vos châteaux. Et comme je savais que j'étais arrivé à un stade où c'était un stade d'achèvement, je me suis dit ben voilà, ça me fera un petit souvenir, de belles photos, et c'est comme ça que ce livre a vu le jour. Voilà, notre émission se termine. J'espère qu'elle vous aura permis d'y voir plus clair. Quant à nous, nous nous retrouvons dans un mois pour un nouveau numéro des Carnets de l'Immobilier. D'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez suivre tout l'immobilier en continu sur logiquimo.com.